résumé vous est présenté par Heineken et Hotel.com, sponsor officiel de l'UEFA Champions League. Joseph Souza avec Nsakala, Pjanic. Oh, il est bon ce ballon de Pjanic, le contrôle de la poitrine de Michy Batshuayi. Oh, l'enchaînement de grande qualité, de grande classe là. Signé Michy Batshuayi et l'arrêt. Signé Gregor Kobel. Quelle opportunité là pour le Beşiktaş dans ce match. Très tôt dans la partie, les Aigles Noirs qui se procurent une superbe possibilité. La remise de Meunier avec Jude Bellingham. Oh, pour l'enchaînement de grande classe, ça fait un but à zéro pour Dortmund. Il faut une seule occasion à ce type d'équipe pour prendre l'avantage, pour la mettre au fond. Jude Bellingham pour l'ouverture du score du Borussia à la 20e minute sur cette remise de la tête de Thomas Meunier. Passeur décisif le Belge. Il est passé Malen. Oh, Erling Haaland pour le rater. Miralem Pjanic. Ambiance de dingue. Hein. Ambiance de dingue à Istanbul. Et pendant ce temps-là, les Allemands qui contre-attaquent avec Julian Brandt. C'est bien fait. Oh, Marco Reus là, tout proche de marquer un but important pour lui. Et ça passe là pour Bellingham dans la surface. Le festival encore. Ça fait 2-0 pour le Borussia Dortmund juste avant la mi-temps. Le duo Bellingham-Haaland qui fait terriblement mal au Beşiktaş. Les Allemands qui s'envolent dans ce rendez-vous de la Ligue des Champions. 2-0 à la mi-temps. Tempestif des supporters du Beşiktaş. Il est bon ce ballon de Witzel avec Meunier. Thomas Meunier pour le centre du pied gauche, entrée de surface. Oh, la reprise. Erling Haaland qui a pu se retourner, le décalage qui est bien fait avec la fin de frappe de Jude Bellingham. Oh, Jude Bellingham qui a fait une gratif et d'un but hors norme là. Et Batshuayi qui n'a pas dit son dernier mot avec Michy Batshuayi. Et Kobel qui s'allonge devant le Belge, c'est pas fini. Et Youssoufa Moukoko qui est entré en jeu. Erling Haaland lui veut toujours marquer. Et le sauvetage d'Ersin encore, c'est pas fini là pour les jaunes et noirs. Moukoko. Youssoufa Moukoko qui touche le ballon du bras. Et ça revient sur Moukoko. Moukoko qui tente un geste incroyable dans la surface. Knopf. Moukoko pour la frappe. C'est le petit filet qui est trouvé. Thomas Meunier qui peut récupérer ce ballon. Thomas Meunier qui va essayer d'y aller au bout. Thomas Meunier. Arrêt d'Ersin. C'est pas terminé. Meunier qui remet dans la boîte. Et Rosier qui peut dégager.
les joueurs n'ont peut-être plus beaucoup de force, en tous les cas dans les tribunes, ça ne cesse de chanter. Le coup de tête, la réduction de l'écart de Montero. Il n'est pas fini ce match puisqu'il reste 4 minutes à jouer dans le temps additionnel. Francesco Montero, l'ancien de l'Atlético Madrid, arrivé cet été, qui entretient un peu l'espoir là dans cette fin de match. Ce résumé vous a été présenté par Heineken et Hotel.com, sponsor officiel de l'UEFA Champions League.